Et on continue à parler de festival avec le festival de Cannes qui s'est achevé aujourd'hui avec l'annonce du palmarès. La Palme d'Or revient au réalisateur suédois Ruben Östlund pour son film Sans filtre. Petite déception en revanche pour Pacific Sion, entièrement tourné au Fénois. Le film d'Albert Serra avait fait forte impression sur la Croisette. Il ne remporte cependant aucun prix, pas de quoi décevoir les acteurs polynésiens du film. Pahoua Mahagafano, qui n'avait qu'un rôle de figurante en début de tournage, a finalement été propulsée sous les feux des projecteurs. Le festival cannois aura été pour elle une série de premières expériences, première fois en France, première fois sur la Croisette, mais aussi premier rôle professionnel. Écoutez plutôt sa réaction. Pas trop déçu d'avoir pas reçu de prix parce que ben on a eu de superbes critiques sur tous les journaux et c'est pas forcément quelqu'un qui gagne la Palme d'Or qui est un bon film. Faire un film professionnel vraiment, c'est une expérience incroyable. Partir directement à Cannes après ça, c'est ben, le summum quoi. Je savais pas que c'était sur plusieurs jours déjà et je pensais que tout le monde passait le même jour, mais en fait non. Tu vois tout le monde dans la rue en robe à paillettes. C'était trop beau. J'espère qu'il y aura plus de personnes comme nous, des gens qui ont jamais fait de cinéma dans leur vie, qui pourront vivre ce genre de choses parce que c'est clairement un truc à vivre.